Welcome back to the Wilsey family. Today we're going to be making some waffles. As you can see, these are all the ingredients you're gonna need. It's gonna be so much fun. You can follow along. Yes, as Christmas is around, we love to do these waffles so the kids can have some dessert to eat, you know. Yeah, ce que je disais, Noël, c'est presque arrivé. Nous allons préparer des galettes pour les enfants. Voilà, c'est le dessert que nous préférons, c'est ce que nous aimons manger le matin. So stay tuned. Okay, so these are all the ingredients we're going to use. First, we have this flour and another one right here. We have sugar and some more sugar and some butter, milk, a bowl, a spoon, another spoon, and this to crack an egg. Yeah, and you're also going to need eggs and a mixer. So those are all the ingredients you're going to need. We also have this center plate where we're going to put our waffle and we'll be done. So, and also, you can see my earrings, my Christmas earring. If you love them, just text me. Okay, so let's get to baking. Nous allons prendre du beurre, un tiers de notre beurre ici, nous plaçons dans l'assiette là où nous allons faire notre mélange. Et dès lors que nous avons terminé, nous allons directement ajouter du sucre. Moi, je pris presque le bocal ici plein. Pour le sucre, ça dépend de la façon dont vous voulez que vos galettes soient sucrées ou pas. Si vous voulez moins de sucre, que ça ne soit pas vraiment trop sucré, vous allez mesurer vous-même, vous allez voir selon la quantité de sucre que vous appréciez. Et puis nous allons mélanger du beurre au sucre à l'aide de notre mixeur. Nous allons mélanger le tout ensemble. C'est rassurant vraiment que le beurre est très bien mélangé au sucre. Ensuite, nous allons y ajouter des œufs. Une fois que nous avons fini à mélanger, nous y ajoutons des œufs. J'ai utilisé 9 œufs pour notre préparation d'aujourd'hui. Nous y ajoutons les œufs, comme vous le voyez ici. Et nous allons ensuite mélanger les œufs, le sucre et du beurre ensemble de façon à ce que tout soit bien mixé. Voilà, comme vous le voyez, nous allons continuer à mixer jusqu'à ce que nous nous rassurons que tout est bien fait. Après, nous allons ajouter du sucre vanille, du vanilla sugar. Les vanilla sugar, j'ai utilisé 4 sachets dans notre préparation. Ça nous permet de donner aux galettes un bon goût. Voilà, et dès lors que nous avons tout mis dedans, nous allons encore mélanger le tout à l'aide toujours de notre mixeur. Vous pouvez utiliser aussi le bateau de cuisine si vous n'avez pas le mixeur ici. Vous pouvez utiliser aussi le malaxeur ou la cuillère de cuisine. Ensuite, nous allons mettre de la farine. Nous avons deux qualités de la farine. Nous avons le premier en boîte et le second. Nous allons prendre le premier ici dans la boîte. Nous ajoutons deux cuillères à... Après, nous allons mélanger ensemble avec toujours notre mixeur ici. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas le mixeur, vous utilisez autre chose. Et par la suite, nous allons ajouter la farine ici que vous voyez, c'est la farine de base. Donc, j'ai ajouté 5 louches pour cette farine ici. Et puis j'ai mélangé le tout encore à l'aide de notre mixeur. Nous allons pouvoir continuer à mélanger et nous aurons la pâte ici. Après avoir bien mélangé le tout, nous aurons une pâte sous la forme ici. Nous y ajoutons un peu de lait et nous mélangeons encore.
comme vous le voyez, toujours à l'aide de notre mixeur, nous mélangeons et nous allons aboutir au résultat que vous voyez ici. Donc après tout ce que nous aurons mélangé, voici les résultats auxquels nous devons aboutir. Et par la suite, nous allons reposer, pas reposer pour longtemps, juste le temps de nous permettre de préparer notre gaufrier. Et voilà, nous allons préparer notre gaufrier et nous allons y mettre notre gaufrier à quatre places. Nous allons mettre dans toutes les quatre places. Et puis, après avoir mis, nous allons couvrir. Donc, nous allons couvrir notre gaufrier. Et après quelques minutes, moins de 5 minutes, nous verrons. Et voilà les résultats que nous aurons. Et nous avons des galettes déjà ici prêtes. Donc, voilà, en quelque sorte, notre recette pour aujourd'hui. So these are the results of the waffles. As you can see, they look like this. If you want the hard ones, you're gonna keep on adding flour, but if you want the soft ones, you're gonna have to not put too much flour. And yeah, if you want to top it with some toppings, feel free to do that as long as you like it the way it is. We did the soft ones and they're pretty tasty. Hope you enjoy the video. And that's how it looks like inside. Hope you enjoy the video. Like, subscribe, comment, share this video to anybody you possibly can. And we'll see you in the next video. Bye bye!